Décrit comme étant le roi des paparazzi, Daniel Angeli a côtoyé de nombreuses stars tout au long de sa carrière. Il fut notamment l'un des plus proches amis de Johnny Hallyday durant près de 20 ans. Une amitié qui s'est malheureusement terminée à cause de Laetitia Hallyday. Au cours d'une longue interview accordée à Paris Match jeudi 5 août 2021, Daniel Angeli ne fut pas avare en révélation concernant certaines vedettes. S'il s'est notamment confié sur l'impressionnante consommation d'alcool et de cigarettes du père adoptif de Jade et Joey Hallyday, le roi des paparazzi a aussi dévoilé une anecdote concernant Brigitte Bardot. Je cherchais la maison de Bardot. Suis-moi si y est-il là. De l'autre côté, t'as la mère, m'a dit Ghislain Dussart, un très bon ami de Bardot et photographe de l'agence Gamma. Il avait le passeport à la madrague, a expliqué Daniel Angeli en guise d'introduction. On était toujours 5 ou 6 paparazzi jusqu'à mi-cuisse dans l'eau, appareil photo à la main, à attendre Brigitte sortir de la plage. Elle arrivait sur le ponton, prenait le soleil. Ou pas, a révélé le roi des paparazzi, tout en soulignant que l'actrice les ignorait complètement. Daniel Angeli sur Brigitte Bardot, elle poussait parfois un chien pour qu'il nous morde en fait, Brigitte Bardot avait tellement l'habitude d'être planquée qu'on était devenu transparent. Si est-il comme si on avait été des mouettes, a affirmé Daniel Angeli, avant de dévoiler que la comédienne poussait parfois un chien pour qu'il morde les paparazzi. Ça la faisait marrer, a-t-il précisé. Au cours de ce même entretien, le photographe est revenu sur les nombreuses histoires de mecs de Brigitte Bardot. Un été, en 1966, je vois Günther Sachs, le mari de Brigitte, sauter d'un hélico avec un sac et déverser une pluie de pétales de rose, a dévoilé le roi des paparazzi. Daniel Angeli fut tellement surpris par ce qui se passait devant ses yeux qu'il n'a pas pris la moindre photo de cet événement incroyablement romantique.